Madame Hidalgo, cher public, bonjour et bienvenue à cet événement organisé par l'association Dauphine Discussion Débat. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation dans notre belle université. Celle-ci n'a d'ailleurs plus de secret pour vous. En effet, vous étiez déjà venu, ici même, sur cette scène, défendre votre projet pour notre ville, Paris, pour l'élection des municipales 2014. 2 ans et 9 mois s'écoulèrent avant que vous ne reveniez à l'occasion de l'idée, cette année même, pour réaffirmer votre considération pour l'Europe. Vous connaissez donc tous les recoins de cet amphithéâtre, vous n'aurez donc aucun mal à vous confier ce soir. Madame Hidalgo, il est d'usage à DDD de procéder à une présentation de notre invité afin de cerner son parcours, ses faits d'armes et ses idées. Nous ne dérogerons pas à la règle aujourd'hui et vous aurez le loisir de réagir à ce portrait. Vous êtes né le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. 2 ans plus tard, vous déposez vos valises avec vos parents et votre sœur à Lyon. Vous démarrez un DEA de droit social et syndical, ainsi qu'une maîtrise en sciences sociales. En 1984, vous devenez inspectrice du travail. Parmi la classe politique, on peut aisément qualifier votre parcours d'atypique. Et ce n'est qu'en 1997 que vous vous lancez passionnément dans la vie publique. Vous travaillerez alors dans 3 cabinets ministériels sous Jospin, sous le gouvernement Jospin. En 2002, vous rejoignez Bertrand Delanoë à la mairie de Paris en tant que première adjointe au maire. Et c'est à cette date que votre odyssée dans la ville lumière commence. Vous resterez à ses côtés, telle Pénélope fidèle à son Ulysse, jusqu'en 2014. Mais pourtant, nous ne sommes pas ici dans une fiction et encore moins dans une sombre histoire d'emploi fictif. Vous accomplissez, en effet, de multiples missions. Vous êtes chargé de l'égalité homme-femme de 2001 à 2008, puis, jusqu'en 2014, chargé de l'urbanisme et de l'architecture. Forte de cette expérience, vous êtes élu maire de la plus belle ville du monde, le 5 avril 2014, devant Nathalie Kosciusko-Morizet, et vous devenez ainsi la première femme à occuper ce poste. Votre adversaire était notre invité en ce début d'année. Nous lui avions rappelé l'amertume de sa défaite. Nous nous devons donc de vous rappeler l'éclat de votre victoire. Votre séjour à la mairie de Paris restera historique du fait de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Cependant, durant votre campagne, vous n'étiez ni jamais totalement contre, ni jamais totalement pour. Vous ne l'avez en effet pas proposé dans votre projet pour Paris durant la campagne municipale. Mais progressivement, vous prenez conscience de la formidable occasion pour la ville de Paris d'accueillir les JO 2024. Encouragé par l'appui du chef de l'État, en novembre 2014, vous décidez finalement de vous lancer dans l'aventure. Mais ma présentation ne serait pas une bonne présentation si je n'insistais pas sur votre combat féroce, votre lutte acharnée contre la pollution. Et vous avez montré que vous aviez plus d'une corde à votre arc. D'abord, la fermeture des voies sur berge, ce qui a amené à une contestation virulente de la part des franciliens dépendant de la voiture et des associations automobilistes. Mais néanmoins, il faut bien le reconnaître, a aussi rencontré un franc succès auprès des piétons. L'autolib, durant votre mandat, s'est démocratisé. Lancé en 2011, on compte aujourd'hui environ 131 000 abonnés. Il y a de plus en plus de souscripteurs, oui. Cependant, on constate une baisse de l'utilisation. Paradoxal, non? L'autolib est-il, je cite, un véritable fiasco, comme le décrit les Inrocks? Je vous laisserai répondre à ce sujet. Tant de choses encore à énoncer sur votre ambition écologique, menée depuis 3 ans maintenant, comme le projet Paris sans voiture, la vignette critère, et la liste n'est pas exhaustive. Le Grand Paris a été de même au cœur de votre mandat. C'est un projet d'aménagement à l'échelle de la métropole. Il a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, à corriger les inégalités territoriales et à construire une ville durable. Vous avez toujours défendu ce projet et pour le journal L'Humanité, vous affirmiez que, je cite, « l'avenir de Paris, c'est le Grand Paris ». Plus récemment, le président fraîchement élu, Donald Trump, a fait une déclaration tonitruante dont seul lui a le secret. Paris n'est plus Paris. Lors d'un meeting, en pensant au risque élevé d'attentats dans la capitale. Le terrorisme est une grande problématique
qui inquiète de plus en plus les Français. Et vous n'avez pas réellement répondu à cette phrase que l'on peut assimiler à une attaque de la part du président américain. Enfin, dans un tout autre registre, avant que le débat ne commence, il me paraît nécessaire de rappeler votre position par rapport à l'élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra maintenant, dans 48 jours précisément. On assiste à un déchirement de la gauche. Bon, je vous l'accorde, la droite, c'est pas mieux non plus. Tout d'abord, vous vous êtes reconnu dans la démarche social-démocrate de Vincent Peillon pour la primaire de la gauche. Nous connaissons tous le résultat final, c'est Benoît Hamon qui finalement représentera le Parti Socialiste et vous lui avez accordé votre confiance pour les présidentielles. Voilà les problématiques actuelles qui intéressent la majorité des Français et des Dauphinois et auxquelles, j'en suis sûr, vous ne manquerez pas de répondre. Je vous souhaite à tous un excellent débat qui sera animé par Zahra Ali et Théo Castin. Merci beaucoup pour cette présentation. Je reviendrai sur plusieurs des points que vous avez évoqués. Peut-être j'ajouterai à mon CV, je vous l'ai dit en rentrant, que j'ai enseigné pendant 3 ans d'affilée ici à Dauphine, en chargé de TD, droit du travail, à une époque où je devais avoir à peu près 3 ans de plus que mes étudiants, donc c'était il y a très longtemps, et j'en garde aussi un très très bon souvenir. Donc dans les liens qui m'unissent à Dauphine, il y a aussi cette période de ma vie où j'ai enseigné ici, en tous les cas apporté la vision d'une praticienne du droit du travail que j'ai été pendant longtemps. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Maire. En 2014, nous recevions Anne Hidalgo, la candidate à la mairie de Paris. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anne Hidalgo, la maire de Paris. Notre première question sera donc très simple. Qu'auriez-vous aimé dire à Anne Hidalgo, la candidate de Paris, à la candidate à la mairie de Paris en 2014 quel conseil lui donneriez-vous Et est-ce que avez-vous des regrets sur peut-être votre campagne ou votre début d'action à la mairie de Paris depuis ces 3 dernières années? C'est une bonne question, je ne m'y attendais pas. En fait, qu'est-ce que je dirais accroche-toi parce que c'est vraiment le plus beau mandat du monde, dans la plus belle ville au monde. Et donc, ça vaut le coup d'avoir des convictions, de les porter et d'engager cette bataille qui a été une bataille difficile, hein, mais dans laquelle j'ai eu la chance d'être aussi très entourée, de sentir, de comprendre la population parisienne. J'avais des belles personnalités, Marie-Christine Lemardelet qui est dans cette salle, qui est ancienne présidente de Paris-Sorbonne Nouvelle, m'avait rejoint aussi dans cette équipe et beaucoup d'autres. Donc je dirais ça valait le coup, ça vaut le coup, cette ville est vraiment magique. Ce que je percevais déjà à l'époque, et j'avais écrit ça dans un livre qui s'appelait Mon combat pour Paris, c'est que nous étions vraiment en train de passer à l'ère des villes-mondes, que Paris était une ville-monde, qu'elle ne devait pas aller vers une espèce de un pronostic qu'on faisait de Paris, ville-musée, qui devait simplement s'intéresser à son patrimoine et uniquement cultiver sa dimension touristique. Et moi, ce que j'ai perçu déjà au moment de la campagne, mais que je vois avec une puissance 10 aujourd'hui, c'est que Paris est à la fois forte de cette histoire et de ce patrimoine, mais en même temps a été capable et est capable, parce qu'elle est aujourd'hui vraiment au premier rang des grandes villes monde, y compris sur le terrain de l'innovation, sur le terrain de la création d'entreprises, sur le terrain de cette économie numérique, de cette révolution, cette quatrième révolution industrielle, comme on l'appelle. Nous sommes très très bien classés à cet endroit-là. Et donc, cette intuition que j'avais, que nous sommes vraiment passés à l'ère des villes-mondes, est quelque chose que je vérifie tous les jours et qui est très intéressant dans notre pays à l'échelle mondiale. Je vois comment les maires des grandes métropoles s'organisent aujourd'hui, comment ils portent
les grands défis de notre siècle, que ce soit sur l'environnement ou sur les questions démocratiques ou par rapport à cette révolution numérique. Et donc, c'est un la ville, la cité, la métropole est vraiment un lieu exceptionnel pour aussi penser l'avenir et poser les jalons pour que cet avenir soit quelque chose qui nous ressemble, qui puisse continuer à nous unir. Donc, je n'ai pas de regrets du tout par rapport à cette campagne parce que j'avais jeté toutes mes forces là-dedans. Vraiment, je rêvais Paris, je pensais Paris, et je continue d'ailleurs aujourd'hui. Donc, je n'ai aucun regret par rapport à ça et je me dis que vraiment ce combat valait la peine, qu'il est loin d'être terminé et que vraiment c'est le mandat qui me paraît le plus beau mandat, celui dans lequel je me réalise. Et c'est aussi un mandat porteur de beaucoup d'espérance, d'espoir, de vision. Je suis un endroit, une ville, quand vous êtes maire, vous pouvez bien sûr vous intervenir sur des grands enjeux qui sont pas simplement les enjeux de la vie quotidienne, mais vous êtes en permanence ramené aussi à la vie quotidienne. Et le fait de passer des grands défis du siècle aux enjeux de vie quotidienne, je pense que ça vous oblige à faire cette aller-retour entre la pensée et le pragmatisme, et que du coup c'est un mandat politique qui n'est pas un mandat comme les autres. Je pense que être maire, ça vous permet de pas devenir fou dans un monde où le pouvoir isole et rend fou. C'est vraiment un mandat exceptionnel de ce point de vue. Bonjour Madame la maire. Après ce rapide retour dans le passé, je vous propose un retour vers le futur en abordant la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. En effet, vous avez l'air attaché à cette candidature. Je voyais d'ailleurs que vous abordez un badge aux couleurs de cette candidature. Mais nous savons que les Jeux Olympiques entraînent des dépenses exorbitantes dans des infrastructures dont le coût d'entretien à long terme peut parfois devenir insoutenable. Je pense d'ailleurs à la ville d'Athènes. Par conséquent, face aux coûts élevés que représente l'organisation de ces Jeux Olympiques, de nombreuses villes ont dû retirer leur candidature. Je fais ici référence à Rome, Budapest et Hambourg. Actuellement, les deux villes toujours en lice sont Paris et Los Angeles. Mais Madame la maire, pourquoi Paris n'a pas peur d'organiser les Jeux Olympiques ? Là aussi, très bonne question. D'abord, je reviens un peu en arrière sur ce qui a été dit dans la présentation. C'est vrai que je n'avais pas voulu faire de la question de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques un sujet de campagne municipale. Parce que je pensais qu'en mettant ce sujet dans un champ plus politicien, finalement, on s'abîmerait, y compris par rapport à le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Deuxièmement, j'ai vécu de loin, mais quand même, j'ai vécu trois candidatures. Paris a été candidate trois fois avant cette fois-ci. Une première fois en 92, pour les Jeux de 92, donc c'est Barcelone qui avait gagné. Mais on avait eu Albertville, donc c'était pas vraiment une défaite complète pour la France. Ensuite, nous avons été candidats pour les Jeux de 2008, et donc c'est Pékin qui a gagné, et les Jeux de 2012, où Londres a gagné. Donc, je ne voulais pas qu'on fasse de ce sujet un sujet de campagne électorale, et deuxièmement, je voulais quand même décider par moi-même, au vu de ce que cela signifie. D'abord, j'avais vécu la défaite de 2012, enfin pour 2012, en 2005, et je sais, je l'ai dit, quand un rêve se fracasse, le mal que ça peut faire. Et deuxièmement, je voulais vraiment que ce soit une décision portée en conscience, en sachant pourquoi on pouvait retourner au combat. Il s'est passé quelque chose de très fort, c'est que des sportifs comme Tony Estanguet, Bernard Lapassé, ont pris le sujet à bras-le-corps, Denis Masséglia, aussi le président du Comité national olympique français. Ils ont pris le dossier à bras-le-corps, ils sont venus me voir, je leur ai dit, moi, il faut me convaincre. J'adore le sport, j'adore la compétition, je pense que le sport porte des valeurs, j'adore les Jeux olympiques en tant que spectatrice, mais il va falloir me convaincre sur pourquoi Paris doit y retourner et est-ce qu'on a des chances de gagner et pourquoi on aurait des chances de gagner cette fois-ci.
Ils ont fait un travail, les sportifs, très très intéressant, justement, posant les faiblesses, ce qui nous avait peut-être joué des tours pour la candidature de 2012, etc., etc. Ils ont travaillé pendant un moment. Et en février 2015, c'était le moment de s'engager ou pas. Ils sont venus me voir, avant février on s'est vu souvent, mais février 2015, ils sont venus me voir avec leur proposition. Je trouvais que c'était suffisamment sérieux, intéressant, l'idée de mettre les sportifs devant, que ce soit une candidature qui soit portée par les sportifs, que ce soit une candidature sobre, sur le plan budgétaire, mais aussi sur l'impact environnemental. Et notamment, on a été aidé par une décision du Comité international olympique et du nouveau président Thomas Barr, qui en décembre 2014 a rendu ce qu'on a appelé l'agenda 2020, dans lequel il dit quels sont les principes qui doivent s'appliquer aux Jeux, voilà, pour lesquels nous candidatons, et dans lesquels il y a la question environnementale et la sobriété budgétaire. Donc, plusieurs éléments m'ont convaincue. Un autre élément est intervenu aussi et m'a vraiment convaincue. Après l'attentat de janvier 2015, je me suis dit qu'il fallait aussi avoir quelque chose de fédérateur, que les Jeux pouvaient être très fédérateurs, que ça pouvait être un message d'optimisme, d'espoir, qu'on pouvait avoir comme perspective d'accompagner les transformations d'un territoire du Grand Paris. À Paris, on a tout, on ne va pas construire d'équipements nouveaux, on a tous les équipements. Et donc, je me suis dit, la Seine-Saint-Denis, nos collègues de la Seine-Saint-Denis, eux, étaient très enthousiastes à l'idée que les Jeux viennent accélérer leur transformation. Donc, je me suis dit, là, il y a aussi un projet fédérateur, rassembleur, qui va être un beau message pour une jeunesse qui, parfois, ne sait plus trop où elle habite. Voilà. Et je me suis donc prononcée, mais j'ai dit à mes amis, les athlètes, il faut que cette candidature soit consensuelle. Il faut qu'on arrive à créer du consensus, que les élus de Paris se prononcent, les élus d'arrondissement, les élus de toutes les communes de la métropole, de la région se prononcent, pour qu'on ait un mouvement qui soit vraiment un mouvement très fort. Et deuxième élément, je leur ai dit, je veux, parce que je voyais bien le calendrier, la décision, elle est en septembre 2017. Donc déjà en 2015, je savais qu'il y avait une campagne présidentielle au milieu. Donc je leur ai dit, je veux qu'on mette à l'abri complètement la candidature pour les Jeux Olympiques de la campagne présidentielle, qu'on sacralise notre unité là-dessus. Donc il faut construire cette unité, sacraliser cela, faire partager cette idée que la candidature ne peut pas être un enjeu politicien, y compris pendant la campagne présidentielle, et on y va. Eh bien, tout ça s'est produit comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment engagé. Les dépenses, en fait, il nous reste à construire quoi ? La piscine olympique, parce qu'on n'a pas de piscine olympique à Paris et elle sera juste à côté du Stade de France. Donc ça sera l'équipement public qui va être financé par des moyens publics, la ville, la métropole du Grand Paris, l'État, la fédération. Et puis les deux autres éléments à construire sont le village olympique, mais qui sera un village qui ensuite deviendra un morceau de ville, une ville habitée, donc avec des logements, pour moitié des logements sociaux, pour l'autre moitié des logements privés, donc sur un financement public-privé. Et puis le village des médias, le village olympique sera sur l'île Saint-Denis, le village des médias au Bourget, et là aussi sur un financement public-privé, parce que ce seront des logements, des équipements qui seront ensuite utilisés. Donc on est sur un modèle économique dans lequel il n'y aura pas d'éléphant blanc, dans lequel on travaille dès maintenant la gestion du bassin olympique, parce qu'il y a le bassin olympique pour la compétition, mais ensuite, que devient le bassin qui pourra accueillir des grandes compétitions mondiales, et on n'a pas ça jusqu'à présent
en France, donc on aura cet équipement, mais en même temps, vous n'accueillez pas des championnats du monde ou des Jeux olympiques tous les ans. Donc, la réflexion sur l'utilisation de ce bassin pour qu'il soit vraiment aussi utile à la population et sur un mode de gestion qui ne soit pas un mode très impactant pour les finances des collectivités. Donc ça, nous avons vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc 95% des équipements sont construits. Donc on n'est pas dans les logiques, par exemple, d'Athènes ou d'autres jeux. Et puis dernière chose, c'est que nous avons voulu aussi qu'il y ait un héritage. La notion d'héritage est très importante dans un dossier de candidature aux Jeux Olympiques. Et nous avons voulu que cet héritage matériel et immatériel autour des valeurs du sport commence dès maintenant. Par exemple, quelque chose qu'on a obtenu avec cette candidature avant même d'avoir le résultat en septembre prochain, c'est que dans l'éducation nationale, on ouvre, et on a commencé dès cette rentrée, à ouvrir dans les collèges et dans les lycées des sections à horaires aménagés sport, permettant à des jeunes de pouvoir suivre le plus longtemps possible un double cursus, sport et bien sûr études. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu obtenir s'il n'y avait pas eu la candidature aux Jeux Olympiques. Sur l'héritage, donc, il y a beaucoup de choses sur l'éducation, beaucoup de choses sur l'environnement, puisque j'ai souhaité vraiment que cette candidature soit complètement écologique. On a comme partenaire de la candidature la grande ONG WWF France, qui nous a fait une proposition d'alignement complet de la candidature sur l'accord de Paris. Donc ça sera la première candidature vraiment 100% bas carbone, avec un impact environnemental très faible pour ce qui est des constructions, etc. Mais qui en plus va générer, par exemple, la qualité de l'eau de la Seine pour la baignade. Grâce à la candidature aux Jeux Olympiques, nous pourrons nous baigner dans la Seine, et je pense un petit peu avant 2024, puisqu'on va y faire les épreuves de triathlon et de nage en eau libre. Mais il ne s'agissait pas de dire simplement pour l'image, faisons ces images au pied de la Tour Eiffel, d'une compétition extraordinaire. Pour moi, c'était aussi laisser comme héritage de la candidature de Paris et de l'organisation par Paris des Jeux Olympiques, laissons comme héritage une haute qualité de la Seine qui permette la baignade. Voilà, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels je pourrais bien sûr revenir, mais c'est un projet très enthousiasmant sur lequel je pense qu'on a beaucoup, beaucoup à gagner, sur lequel le CIO a beaucoup évolué justement parce que il y a de moins en moins de villes qui franchissent toutes les étapes, qui vont jusqu'au bout. Certaines se sont retirées parce que c'était un débat justement de leur campagne municipale. Je pense à Rome. Voilà, la maire de Rome s'était engagée pour sur le fait qu'il n'y aurait pas de candidature de Rome aux Jeux Olympiques. Donc, elle a retiré cette candidature. D'autres villes ont été plutôt arrêtées par des processus de référendum. Voilà. Et nous n'avons pas souhaité faire de référendum. En revanche, nous avons apporté une concertation, une méthode de concertation que nous déroulons et qui a déjà fait ses preuves, avec énormément de réunions partout en France, dans les quartiers, dans les villes, réunions auxquelles les athlètes ont participé, continuent de participer. Et nous avons aujourd'hui un taux d'adhésion de la population française qui est autour de 70%, qui est très important pour soutenir la candidature. Donc voilà l'actualité de cette candidature avec maintenant deux villes très fortes l'une et l'autre, donc un combat assez frontal, mais fair play parce que c'est le domaine du sport. Et donc voilà, on va tout faire pour gagner parce que vous serez une génération qui, je pense, aura beaucoup, beaucoup aussi à gagner dans cette aventure des Jeux Olympiques. Madame le maire, vous parlez d'actualité de cette candidature. L'actualité, c'est aussi aujourd'hui la démission du président de la commission des Jeux Olympiques en charge de l'évaluation des candidatures, parce qu'il était soupçonné d'avoir touché des fonds pour l'attribution de la candidature à JO, à Rio des Jeux Olympiques. Concrètement, qu'est-ce qui nous protège, nous, à Paris, de cette corruption, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter un tel fiasco ?
D'abord, il faut voir dans cette décision aussi la façon dont le CIO aujourd'hui travaille. La question de la transparence, de la lutte contre la corruption est un des objectifs majeurs que s'est fixé le CIO. La preuve, il y a présomption d'innocence hein, pour Francky Frédérics, qui est la personne qui a démissionné aujourd'hui de ce rôle de président de la commission d'évaluation, c'est-à-dire la commission de ceux qui viennent évaluer les candidatures, et notamment la candidature de Paris. Il est prévu que cette commission vienne au mois de mai prochain à Paris, évaluer les sites, évaluer notre proposition. Et donc, il y a une volonté de la part du CIO d'assurer une transparence complète. Quelque chose qui nous protège, c'est d'abord la justice, la justice française, puisque c'est parce qu'il y a une enquête conduite sous l'autorité du parquet financier de Paris, parquet national financier, que cette décision a été prise par le CIO. Donc ce qui nous protège, c'est la façon dont aujourd'hui la justice analyse les relations entre le sport et l'argent, et c'est très bien pour nous tous que ça se passe comme ça, tout en respectant la présomption d'innocence de chacun. Et puis par ailleurs, on a mis en place au sein notamment du GIP, qui est le groupement d'intérêt public Paris 2024, qui est co-présidé par Bernard Lapassé et Tony Estanguet, deux athlètes, dont un trois fois médaillé olympique, et avec un directeur, Étienne Taubois, qui ont mis en place des procédures de déontologie, des procédures qui permettent, comme on le fait dans les grandes entreprises, dans les grandes administrations, d'avoir des personnes qui sont là pour vous dire c'est possible, c'est pas possible, c'est éthique, ça ne l'est pas, c'est juridiquement infondé. Voilà, on a ces garde-fous autour de nous pour bien sûr prémunir toute tentation qu'il pourrait y avoir. Mais ça existe aujourd'hui dans toutes les grandes organisations. Et il y a aussi un comité d'éthique au CIO qui a été questionné par son président, qui a abouti à la décision qui a été rendue publique aujourd'hui. Vous défendez donc clairement la candidature des Jeux Olympiques 2024, nous venons de le voir. Pourtant, vous vous êtes publiquement opposé à celle de l'exposition universelle de 2025. Pourquoi cela ? Vous ne voulez pas d'une deuxième Tour Eiffel dans Paris ? Non, je ne me suis pas opposée publiquement. Là aussi, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui adorent être candidat à tout. Bon, voilà, c'est un statut d'être candidat, mais moi, je préfère être candidate pour gagner. Donc, l'Expo universelle n'était pas très, très bien partie hein, sur des bases qui étaient un peu floues et qui ne pouvaient pas nous permettre de gagner. Et donc, j'ai émis à l'époque des réserves sur deux points. Le premier point qui était le thème de l'Expo universelle. Souvenez-vous, on nous expliquait que le thème de l'hospitalité était un thème. Je trouve que c'est un joli sujet philosophique, mais je ne voyais pas en quoi ça pouvait être un sujet d'Expo universelle. Et en plus, ça nous obligeait finalement à laisser de côté un autre sujet sur lequel on est très légitime, les questions d'environnement. Paris a accueilli la COP21, Paris a donné naissance à l'accord de Paris, l'Expo universelle c'est 10 ans après la COP21, qu'il y ait un lien entre Expo et environnement me paraissait une évidence, tant notre légitimité à l'échelle internationale est forte sur les questions environnementales. Donc j'ai dit, il vaut mieux quand même raccrocher le thème de l'Expo à un sujet d'environnement. Deuxièmement, sur la gouvernance de l'Expo, c'est la candidature d'un pays. C'est différent d'une candidature aux Jeux Olympiques. Bien sûr, les Jeux Olympiques, ça engage toute la France. Mais l'acte d'engagement,
Il est signé par le maire de la ville, c'est une ville qui candidate, et le président du comité national olympique du pays qui candidate. Donc la lettre de candidature pour les Jeux, je l'ai co-signée avec Denis Masseglia. L'expo, c'est l'État. C'est une autre procédure d'attribution. C'est une procédure qui est beaucoup plus proche de ce qui peut se passer dans certaines organisations internationales. C'est un réseau diplomatique qui est à l'œuvre, etc., etc. Donc j'ai souhaité que la gouvernance soit une gouvernance qui, mette vraiment entre les mains de l'État. Donc c'est un délégué interministériel, Pascal Lamy, qui a été nommé par le Premier ministre et le Président de la République pour porter ce projet d'expo, ça me va bien, et qui a proposé de mettre autour de la table tous les partenaires au sein, là aussi, d'un groupement d'intérêt public, avec une procédure qui devait être quand même contrôlée et vérifiée. Hein, ça ne peut pas être une association loi 1901, quel que soit, l'intérêt, la force, la capacité de ses membres qui pouvaient porter cette expo universelle. Donc Paris s'engage dans l'expo universelle. Mais moi, je considère que c'est étape après étape. La première étape, c'est quand même gagner les Jeux. Je vous propose maintenant d'aborder le thème du Grand Paris. En effet, Paris est grand, mais pas assez selon vous, puisque vous voulez étendre la domination de la capitale. Alors, on peut voir ça comme ça, ou on peut voir ça comme une envie de partager. Hein. D'ailleurs, c'est le slogan aussi des Jeux Olympiques, hein, « Made for sharing », ou « Venez partager », parce que sinon je vais me faire engueuler par l'Académie française. Mais donc, sur le Grand Paris... Ça fait très longtemps hein, que, quand Bertrand Delanoë avait été élu en 2001, qu'on a commencé à travailler avec nos voisins de façon plus souple. C'est vrai que pendant des années, Paris avait un peu envoyé en banlieue tout ce qui la dérangeait, tout ce qui la gênait, et n'avait pas une grande considération pour les communes de banlieue. Donc il y a eu un travail de réparation qui s'est fait dans un premier temps, puis... Toujours sous les deux mandatures de Bertrand Delanoë, on a travaillé beaucoup, beaucoup, moi je m'étais beaucoup impliquée, sur comment, au-delà des relations bilatérales nouvelles qu'on pouvait tisser avec les maires des communes voisines, on pouvait créer quelque chose parce que nous sommes quand même sur un territoire qui a une communauté de destin. Et donc on avait commencé à travailler, ce qui avait permis de créer une structure, qui était une structure très souple, qui s'appelait Paris Métropole, qui réunissait les maires de ce qu'on appelle la zone dense, cette agglomération parisienne de 7 millions d'habitants. Et puis on a continué à avancer, la loi est venue créer la métropole du Grand Paris, et cette métropole du Grand Paris, elle existe aujourd'hui. Moi, je suis maire de Paris, femme de gauche, entourée de maires qui sont plutôt des maires de droite. Après les élections de 2014, le rapport de force politique a changé. Et donc, les choses auraient pu, j'aurais pu dire, ça ne m'intéresse pas d'aller me mêler aux autres. Je garde mes pouvoirs, mes moyens, qui sont quand même plus importants que ceux de beaucoup d'autres communes autour de nous. Et je me replie sur moi-même pour éviter de perdre des pouvoirs dans quelque chose qui diluerait les pouvoirs du maire de Paris. Je n'ai pas fait ce choix-là parce que j'y crois. Je crois qu'effectivement, pour aujourd'hui, il y a une compétition internationale des métropoles, des villes, qui est très importante, qui est vraiment une compétition où on nous compare, on se bagarre pour attirer les talents de la planète à Paris, à Londres, à New York et encore dans d'autres grandes métropoles. Et que la bonne échelle, c'est cette échelle de 7 millions d'habitants, c'est l'échelle de cette zone dense. Et si on veut gagner en attractivité internationale, il nous fallait mettre en place une structure de gouvernance commune où chaque maire, chaque élu local ne puisse pas dire
voilà, je suis dans mes frontières et le reste ne m'intéresse pas. Et on a réussi à faire quelque chose qui est quand même assez exceptionnel. Patrick Ollier, un maire de droite qui est maire républicain de Rueil-Malmaison, est aujourd'hui notre président, je suis sa première vice-présidence. On a une gouvernance qui est faite de maires de droite, de gauche, du centre, d'écologistes, et tout le monde travaille ensemble, mais sans être dans la confusion. Hein. Moi, je suis pas pour le... on serait ni de gauche, ni de droite, ni de nulle part. Non, je pense que c'est bien que chacun affirme son origine, sa philosophie, ses convictions, mais que affirmer ses convictions n'empêche pas de trouver des espaces de travail en commun, surtout quand c'est au service d'un territoire. Et alors, c'est très, très intéressant de travailler de cette façon-là, parce que, en fait, on a vraiment créé de la confiance entre tous ces... Nous sommes 131 communes aujourd'hui. Nous avons un exécutif qui se réunit régulièrement autour de Patrick Ollier. Nous traitons des problèmes qui sont ceux de l'attractivité de Paris, de questions d'environnement, de questions de logement. Nous avons été capables de lancer avec Patrick Ollier un Inventer la métropole, où nous avons mis sur la table plus de 50 sites partout sur la métropole, dans un appel à projet, comme nous avions fait pour réinventer Paris, qui a quand même permis de lever un potentiel de 6 milliards d'euros d'investissement privé pour une grande partie de cet investissement sur un espace métropolitain en créant les conditions d'une attractivité. Donc il fallait y aller. Et moi, je suis convaincue que nous devons garder cette métropole du Grand Paris dans une version qui est une version d'intercommunalité, c'est-à-dire qui respecte chaque maire, mais qui oblige quand même chaque maire à venir discuter avec son voisin et avec l'ensemble des maires compétents sur ce qui est de notre avenir commun. Et pour l'instant, franchement, la métropole a un peu plus d'un an d'existence concrète. C'est plutôt une réussite. Et c'est pas un échelon supplémentaire. J'entends dire ça souvent, oh, mais vous avez créé un machin supplémentaire dans le millefeuille. Mais non, vous aviez 131 communes et elles parlent d'une seule voix. C'est pas un étage supplémentaire dans le millefeuille. Bien sûr qu'il faut penser le rôle de la région, le rôle de chacune des communes, les transferts de compétences, où est-ce qu'il faut placer les compétences pour qu'elles soient les plus exercées de la façon la plus efficace possible, c'est quoi l'intérêt métropolitain. Tout ça sont des sujets qu'on discute en permanence, mais je suis plutôt optimiste sur l'avenir de cette institution. Alors, en 1947, Jean-François Gravier publiait « Paris et le désert français ». C'était un livre qui dénonçait les inégalités territoriales à l'échelle de la France et le poids écrasant et dominant de la métropole de Paris. Vous ne pensez pas que justement renforcer le Grand Paris et la cohésion de ces 131 communes renforcerait cette dynamique et le poids écrasant de la métropole par rapport au territoire français ? Non, d'abord parce qu'il y a eu quand même, heureusement, les lois de décentralisation de 82. Et moi, je suis une décentralisatrice. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux métropoles. Les métropoles, c'est un phénomène qui est un phénomène récent, nouveau. Mais pourquoi ça marche ? Parce que c'est un espace territorial où il y a une homogénéité, il y a cette fameuse communauté de destin. Paris, c'est la seule métropole française à dimension mondiale. C'est la seule. Lyon est une très très grande métropole avec une dimension européenne très forte. Lille également, Bordeaux, ce sont des grandes métropoles françaises qui marchent très bien, qui se sont organisées, qui produisent vraiment de l'attractivité. Mais Paris, en termes de taille, de poids de population, de part dans le PIB du pays, est la seule métropole à dimension internationale. La question n'est pas de faire en sorte que la métropole du Grand Paris soit de plus en plus riche, de plus en plus attractive, et que rien ne se passe autour. Il y a effectivement un sujet qui est un vrai sujet sur lequel moi je travaille. Je veux, d'ailleurs, j'ai un conseil stratégique que je réunis et je veux les saisir aussi de cette question. C'est quid de l'avenir des grandes métropoles mondiales à l'épreuve, par exemple, en France, de la République.
En fait, il y a plein de mécanismes qui existent aujourd'hui qui permettent de récupérer la richesse produite à un endroit sur le territoire et de la répartir sur d'autres territoires. Un exemple, Paris, sur mon budget, j'ai chaque année 500 millions d'euros qui sont prélevés pour faire ce que l'on appelle de la péréquation. Une partie de ces 500 millions d'euros, 60% d'entre eux partent en province pour venir aider des territoires plus en difficulté, moins attractifs. Donc c'est une part vers la solidarité nationale. Et 40% de ces 500 millions d'euros prélevés, eux, sont répartis sur l'Île-de-France pour venir assurer une égalité plus grande des territoires à l'intérieur de l'Île-de-France. Donc il y a des mécanismes de péréquation, il y a des mécanismes aussi qu'il nous faut penser de façon plus importante, notamment la relation entre une grande métropole comme Paris et des territoires ruraux. Déjà, ceux qui nous entourent. J'étais au Salon de l'agriculture la semaine dernière, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là avec les grandes organisations représentant le monde agricole. Paris a aussi une responsabilité dans le soutien, le maintien de terres agricoles dont on a besoin. On a besoin, dans une grande agglomération comme Paris, je parle des 7 millions d'habitants, d'avoir une véritable ceinture maraîchère et agricole qui permette en partie d'alimenter, mais en grande partie d'alimenter cette population. Et donc, il y a aussi cette relation aux territoires ruraux sur laquelle nous sommes en train de plancher et sur laquelle, par exemple, la ville de Paris, là, c'est pas la métropole, nous avons travaillé avec les chambres d'agriculture pour y compris aider à l'installation de jeunes agriculteurs sur des terres qui appartiennent à Paris, qui sont en dehors de Paris, mais qui pourraient être louées pour qu'ils puissent cultiver, pour qu'on soit dans des circuits courts, pour qu'on augmente la part de bio, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'alimentation bio par rapport à nos objectifs, notamment dans les cantines scolaires et toute la restauration collective. Donc vous voyez, y compris à travers cette question de l'alimentation, on travaille avec des territoires qui sont les territoires ruraux sur l'interdépendance. Nos territoires sont interdépendants. Paris ne peut pas vivre sans avoir des territoires ruraux avec lesquels elle coopère. Et Paris ne peut pas vivre sans avoir une relation avec les autres métropoles françaises à dimension régionale ou européenne, parce qu'il y a bien sûr des jeux intéressants qui sont plutôt gagnant-gagnant entre nous. Et Paris ne peut pas vivre sans sa relation avec les autres grandes villes monde, parce que la compétition internationale, c'est à ce niveau-là qu'elle s'exerce et qu'il faut être créatif, compétitif, innovant, mais en même temps solidaire. La solidarité fait partie des signaux pour l'attractivité d'une ville comme Paris. Le fait d'accueillir des réfugiés, c'est quelque chose qui est plutôt un signal positif envoyé à l'échelle internationale chez ceux qui se posent la question de faire venir tel ou tel type d'investissement ou tel type d'entreprise. Voilà. Donc, ces interdépendances, il faut les prendre telles qu'elles sont, les travailler. Je préside aujourd'hui aussi l'association on est une centaine de plus grandes villes mondiales engagées sur les questions de climat, mais aussi ces villes résilientes. Et je peux vous dire qu'à l'échelle globale, la façon dont Paris est en train de s'organiser avec le Grand Paris, mais où nous avons aussi cette relation avec les autres territoires, est plutôt quelque chose d'intelligent. En même temps, il faut le formaliser parce que le rôle et le pouvoir et le poids des villes-mondes est très important. Je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, les 100 plus grandes villes mondiales, ça représente 650 millions d'habitants et ça représente 25% de la création de la richesse à l'échelle de la planète. On est vraiment sur quelque chose de très très important, de très significatif, et donc il faut qu'on soit armés
pour pouvoir non seulement se battre à cette échelle internationale, mais ensuite être aussi dans la solidarité avec les territoires qui ne sont pas ceux de cette compétition internationale. Vous êtes d'accord que Paris détient encore le monopole de l'éducation supérieure. Pourtant, quand on fait les classements, Paris reste la ville la plus chère de France, et ce constat est encore plus accablant quand on se concentre sur la population étudiante. Comment voulez-vous garantir l'égalité des chances avec de tels coûts à supporter pour les étudiants ? C'est un vrai sujet, et pendant très longtemps, Paris n'avait pas construit de logements étudiants. Elle s'était repliée sur l'idée que chacun se débrouillait. Donc depuis 2001, c'est vrai qu'on a mis le paquet sur le logement étudiant, à la fois social, mais aussi en accompagnant des projets privés, parce que la question numéro un, c'est celle du logement. Il y a tout ce que nous pouvons offrir, et Marie-Christine Lemardelet est en charge notamment de tous ces sujets, pour faciliter la vie des étudiants, leur permettre de trouver des solutions à leur quotidien qui n'est pas toujours facile. C'est aussi des lieux pour pouvoir travailler le soir, c'est avoir les moyens de justement ce travail, ce temps qui est extrêmement important pour les étudiants. Donc, mais c'est surtout sur le logement que nous mettons le paquet, et puis surtout ce qui peut être aussi l'accès aux activités culturelles, à tout ce qui fait la richesse de cette ville, et à travers notamment la Maison des Initiatives étudiantes, à travers le travail qui est fait avec vos propres organisations représentant les étudiants, nous avons aujourd'hui pas mal de dispositifs qui peuvent vous faciliter la vie. Mais le sujet, c'est vraiment le logement. Il y a les résidences étudiantes, mais il y a aussi toute la colocation, y compris avec des seniors, y compris chez des personnes qui sont prêtes à accueillir, mais en étant accompagnées des étudiants. Voilà, donc nous travaillons de cette façon-là. C'est un retard à rattraper qui est quand même difficile. Vous voyez la pression qu'il y a sur l'immobilier à Paris. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous produisons chaque année à Paris 10 000 nouveaux logements, dont 7 500 logements sociaux, c'est-à-dire des logements qui sont destinés soit à des personnes qui ont très très peu, même pas du tout de revenus, qui sont plutôt des revenus d'assistance, des personnes qui ont des revenus faibles ou moyens, mais qui ont droit à des aides au logement. Et donc chaque année, c'est ce que nous produisons. Après avoir parlé des projets de la ville de Paris, parlons maintenant des projets de la France et des Français. À maintenant 48 jours de l'élection présidentielle, alors que le président de la République reste muet sur l'élection, vous avez ouvertement soutenu M. Vincent Payon, durant la primaire qui s'est tenue courant janvier. Maintenant, vous soutenez M. Benoît Hamon. Soutenez-vous M. Hamon avec les mêmes convictions que vous souteniez M. Vincent Payon ? D'abord, je pense qu'il faut jouer le jeu quand on accepte les principes d'une primaire. Il faut accepter de soutenir celui qui gagne cette primaire. Donc, je suis une social-démocrate, européenne convaincue, écologiste, féministe. Je peux donner les éléments qui sont ceux de mon patrimoine de conviction. Et donc dans les propositions que formule aujourd'hui Benoît Hamon, je me retrouve notamment dans sa vision. Je pense qu'il a raison de poser le défi climatique comme le défi le plus important que nous ayons à relever. Je pense qu'il a raison d'être un des rares candidats, j'en vois pas d'autres, qui est vraiment sur une vision de long terme sur ces questions environnementales, mais aussi la façon dont il questionne le travail. Je suis pas d'accord sur tout, parce que je ne suis pas devenue tout d'un coup une militante de la gauche du parti socialiste. Je reste avec mon identité de femme social-démocrate européenne et écologiste. Mais je pense que la façon dont il questionne l'évolution du travail, la façon dont le numérique va
s'inviter dans nos vies quotidiennes et transformer ce qu'elle fait déjà, le rapport au travail et donc les nécessaires protections aussi de ceux qui vont travailler, qu'on appellera peut-être plus des salariés, mais qui sont les travailleurs de cette que nous aurons à l'avenir. Je trouve que la façon dont ils questionnent ces sujets-là est vraiment intéressante. Et lorsqu'il propose, par exemple, sur la question, ça a beaucoup fait parler, et moi, je ne suis pas en soi pour un revenu universel pour tout le monde. Ça, c'est et lui-même non plus, d'ailleurs, et il l'a dit pendant sa campagne. Mais que l'on dise, il y a des populations qui ont un problème spécifique, et il faut qu'elles puissent être garanties avec un minimum de revenus qui leur permettent de ne pas tomber dans des situations de pauvreté ou d'exclusion. Je pense aux jeunes. C'est une grande revendication des organisations de jeunesse depuis longtemps d'avoir une allocation d'autonomie qui permette aux jeunes de pouvoir se consacrer à leurs études. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler, que le fait de travailler en faisant des études n'est pas la meilleure façon de réussir ses études. Moi, je l'ai fait, hein, c'est comme ça que j'ai fait mes études. Mais voilà, si on peut effectivement consacrer plus de temps à ses études qu'au travail pour pouvoir faire des études, c'est mieux. Donc le fait qu'il y ait une allocation de 600 euros pour les étudiants, pour les jeunes, leur permettant de rentrer dans la vie professionnelle en allant vers un objectif qu'ils se fixent à travers les études ou une entrée dans la vie professionnelle qui parfois se fait par des petits boulots, par des allers-retours et pas forcément par un revenu qui leur permette vraiment de pouvoir s'en sortir. Ça, c'est une population cible. Il y a une deuxième population cible sur laquelle il y a aussi une urgence. Je pense aux personnes âgées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on pense aux femmes, les femmes qui sont à la retraite, qui ont eu souvent des interruptions dans leur vie professionnelle parce qu'elles ont élevé des enfants, elles se sont arrêtées, elles ont repris, ont des niveaux de ressources extrêmement faibles. Je pense qu'il y a un intérêt aussi à garantir pour ces populations plus âgées un revenu universel, alors pas universel au sens qu'il ne s'applique pas à tout le monde, mais qui peut être aussi une solution de solidarité. Moi, ça ne me choque pas. Vous savez, le budget de l'État, la puissance publique dépense des sommes importantes, par exemple pour la formation des gens qui sont, je pense aux énarques, je pense aux polytechniciens ou à beaucoup d'autres, tant mieux. On ne se pose jamais la question du coût pour la collectivité. Qu'on puisse se poser le coût pour la collectivité de ne pas accompagner des jeunes à travers une allocation, un revenu qui leur permette de s'en sortir, d'aller vers leurs rêves ou leurs projets personnels et professionnels, et qu'on se pose la question en se disant bah, 600 euros par mois pour un jeune, ça va être beaucoup trop cher pour la collectivité. Je pense qu'il faut se reposer les questions à la bonne échelle. Voilà. Donc je soutiens par exemple cette idée-là aujourd'hui dans la façon dont il est en train de la repréciser, parce qu'il faut la préciser bien sûr dans cette campagne électorale. Après, vous dire quand même que cette campagne est très inquiétante et que on voit tous les dangers qu'il y a aujourd'hui hein, dans notre démocratie. Ça restera, je l'espère, comme une élection présidentielle exceptionnelle par son caractère quand même imprévu, imprévisible et complètement atypique. Mais il y a un danger, hein, le danger de l'extrême droite est quand même là, très présent, même si on a un système d'élection à deux tours qui nous permet quand même de nous reposer la question, mais néanmoins c'est quand même un vrai danger. Et je pense que ce qui se passe dans cette élection pose quand même aussi le problème de la limite de nos institutions. Je crois qu'on est au bout du bout de nos institutions.
un régime ultra-présidentiel avec un Parlement, pardon, qui ne sert à rien. Je reprends cette expression de André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux, qui me dit que c'est le Parlement passage à niveau. Hein. Il baisse la 1 et voilà. Ça ne sert à rien. Quand vous élisez des représentants, il faut qu'ils puissent, bien sûr, émettre un point de vue. Il faut qu'ils puissent travailler. Il faut qu'ils puissent amender les lois. Il faut qu'ils puissent être écouté par le pouvoir exécutif, donc supprimer le 49-3, ça me paraît une évidence de salut public, être dans un système où il y ait plus de proportionnels qui obligent à des alliances, plutôt que de penser que tout seul on est capable de gouverner et pendant 5 ans gouverner un pays, ce n'est pas possible, même quand vous avez une majorité écrasante, ce qui était le cas en 2012, nous sommes au bout de nos institutions. Donc je pense que ce qui se passe ici va peut-être aussi, en tous les cas je le souhaite, qu'il y ait des républicains des deux rives, hein, de la droite, de la gauche notamment, qu'ils réfléchissent ensemble à l'avenir de nos institutions, parce que on sera confronté à des situations qui sont des situations qui peuvent virer au drame si l'extrême droite l'emportait sur à la fois cet ensemble de malentendus, de malaises et de dysfonctionnements de nos institutions. Alors peut-être un peu plus rapidement, parce qu'on a les questions après avec le public. Vous êtes une des rares du Parti Socialiste à s'être positionnée quand même pour Benoît Hamon. On constate beaucoup d'élus qui ont affirmé voter pour Emmanuel Macron. Donc, vous l'avez d'ailleurs critiqué ce matin sur Europe 1. Mais d'un autre côté, on a Jean-Marie Le Guen qui a récemment déclaré que le programme de Benoît Hamon était celui d'une gauche radicalisée. Alors selon vous, combien de temps le PS peut-il tenir sur ces deux dynamiques divergentes qui vont le mener sûrement à l'explosion ? D'abord, on prédisait, c'est vrai, déjà un PS mort depuis longtemps. Bon, moi, je suis attachée à cette famille politique et en même temps, je pense qu'elle doit profondément se réformer. C'est-à-dire que le PS qui doit naître après cette élection doit être un PS dans lequel on se respecte plus, dans lequel les courants n'existent plus, ça n'a pas de sens. Les courants du PS sont des écuries pour des hommes ou des femmes, ça n'a pas de sens. Il faut respecter les process. Quand on s'engage dans une primaire et que l'on perd, eh ben, il faut le respecter et accepter cela. Je pense aussi que la gauche qui ne serait plus tout à fait fidèle à ses valeurs n'a pas de place non plus. Je dis souvent à mes amis, en gros, quand vous regardez le paysage politique français, il y a à la gauche du Parti Socialiste environ au niveau national 15% d'un électorat entre, aujourd'hui on le retrouve chez Mélenchon, on le retrouvait chez Les Verts, un peu dans l'électorat de la gauche du Parti Socialiste qu'on retrouve aussi chez Benoît Hamon. Ces 15%-là, on ne peut pas les passer par pertes et profits, ils existent. S'il n'y a pas une offre politique qui est une offre à gauche rassembleuse mais fidèle à ses valeurs, la gauche ne peut pas gouverner. La gauche ne peut pas gouverner en faisant abstraction de ces 15% d'un électorat qui est plutôt positionné à la gauche de l'échiquier socialiste. Moi, je pense que le centre de gravité de ce qui doit être notre offre politique, c'est la social-démocratie. Je pense que la social-démocratie, être social-démocrate, c'est-à-dire, bien sûr, accepter un certain nombre de compromis, des éléments de réalisme, mais pas renoncer à nos valeurs, c'est le positionnement, par exemple, qui, moi, me permet d'avoir à Paris une majorité qui va d'anciens élus du Modem ou d'une ancienne ministre de Jacques Chirac, Dominique Versini, à des élus du Parti communiste. C'est vrai que j'ai pas voulu d'accord avec Mélenchon, parce que je pensais, et je pense que j'ai eu raison, que cet accord-là était un accord qui pouvait nous dénaturer, enfin dénaturer la nature, de, enfin dénaturer le projet qui était le nôtre. Mais j'ai quand même une alliance très très large qui fonctionne, dans laquelle c'est très intéressant de permettre à chacun d'exprimer, d'avancer, d'apporter son talent.
Donc ça marche comme ça, mais on ne peut pas construire même un parti socialiste, social-démocrate, si on fait abstraction de toutes ces familles politiques, philosophiques qui sont à notre gauche et qui, au niveau national, représentent à peu près entre 15 et voire 20% de l'électorat. Et ça n'empêche pas qu'on puisse avoir aussi des alliances avec le centre et le centre-gauche. Moi, ça ne me choque pas. Je travaille très très bien avec des femmes et des hommes qui ne viennent pas des familles de la gauche, mais dans le cadre d'alliances qui sont claires, mais sans déporter notre centre de gravité. Je pense qu'on a eu tort de déporter notre centre de gravité un peu trop vers une gauche, en qualifiant les autres d'irréconciliables. Ben voilà, on se retrouve quand même au milieu d'une gauche qui reste très divisée, et ce qui est une difficulté pour le candidat qui est issu de la primaire de la gauche. Une question qui tient à cœur, qui tient au cœur des étudiants parisiens. Aujourd'hui, Paris est l'une des villes les plus visitées du monde, et la France est la première destination pour le tourisme naturiste. Les écologistes vous ont donc soumis l'idée de mettre en place un parc naturiste au sein de la ville de Paris. Les étudiants dauphinois et moi-même voudrions savoir où en est ce projet. Alors voilà, je me sens très intéressée. D'abord, ça existe dans plein d'autres villes, hein. Donc c'est vrai que chez nous, tout de suite, ça a pris des proportions. Bon, c'est vrai que la même semaine, il y avait les voies sur berge et le centre naturiste. Donc certains nous ont dit c'est trop. Mais il y aura un centre naturiste. On est en train de travailler à son emplacement. On l'a pas encore complètement déterminé, parce que voilà, il faut que ça puisse se faire sans gêner personne, ni les naturistes, ni ceux qui ne le sont pas. Et donc, c'est plutôt du côté d'un bois, un des deux bois, voilà, qu'on est en train de travailler. Pas loin de l'université. J'ai dit un des deux, hein, vous êtes à côté d'un, mais il y en a un autre. On va maintenant passer à un petit jeu. Ça s'appelle le Fast and Curious, je ne sais pas si vous connaissez. On va vous faire deux propositions et vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Bon, on y va. Alors première question, je rebondis un peu sur vos propos de tout à l'heure. Vous disiez que la social-démocratie c'était l'avenir du PS. Donc du coup, la mairie de Paris en 2020 ou les présidentielles en 2022? Mairie de Paris peut-être, sûrement, mais c'est un peu tôt pour le dire, mairie de Paris. Je reviens sur mon parc. Parc naturiste ou Parc des Princes? Ah, moi, j'adore le Parc des Princes. Et puis, en plus, demain, alors que je ne serai pas au Parc des Princes, mais je serai à Barcelone. Un petit pronostic. Voilà, pour une fois, je vais... Parce que je les ai accompagnés souvent à Barcelone, mais en général, on revenait vraiment bredouille. C'était dur, le retour était dur. Donc, demain, j'espère que ça sera... un très très... Moi, je dirais, allez, 2-1 pour Paris. Très bon pronostic. Un peu de culture. Almodovar ou Kassovitz? Almodovar, j'adore, mais j'aime bien Kassovitz aussi, mais Almodovar quand même. En plus, je le connais, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, et je trouve qu'il a tellement bien parlé... D'abord des femmes, il parle des femmes d'une façon incroyable dans tous ses films, et donc il leur donne des beaux rôles. C'est rare quand même, enfin c'est de moins en moins rare, mais c'est bien. Et puis il a des actrices que j'aime beaucoup, qui sont vraiment des grandes actrices, et puis il va toujours en chercher de nouvelles. Si vous n'avez pas vu Julieta, allez le voir. Julieta, c'est trop beau, voilà. NKM ou BLM? BLM. Bruno Le Maire. Ah. J'ai pas une option, un truc en plus là. Ça nous suffira. Voilà. On continue sur cette vague. Bruno Petite Le Maire est bel homme, hein. Voilà. C'est à noter. Donc on continue sur cette vague. Petite sortie dans les catacombes ou meeting de François Fillon au Trocadéro? Oh là là, la petite ceinture et les catacombes, hein. Oui, ça c'est sûr. Oui. Je vous remercie, Madame la Maire, d'avoir pris part à notre jeu et d'avoir répondu à nos questions.
On va maintenant passer aux questions du public. Mm-hmm. Si vous avez des questions, merci de vous signaler. On ne vous voit pas, hein, donc... Merci. Bonjour, Madame la maire. Bonjour, je ne vous vois pas du tout. Oui, je suis là. Ah oui. Où là ? Ouais. Je voulais vous demander à quand un accès facilité ou un accès tout court dans la majorité des métros parisiens pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite. Merci. Alors c'est sûr que le métro parisien, parce qu'il est ancien, est très très difficilement, enfin en tout cas c'est un coût énorme hein, de faire de l'accessibilité complète, mais justement la candidature pour les Jeux Olympiques, pour nous elle est aussi, elle aura pour héritage d'accélérer l'accessibilité de Paris et notamment du métro. Ce qu'il faut qu'on regarde, et les Jeux vont nous y aider, c'est sur certaines lignes, parce qu'on ne pourra pas toutes les modifier en profondeur, chaque station, chaque ligne, mais sur certaines lignes très très utilisées, pouvoir effectivement avoir une accessibilité totale pour notamment les personnes à mobilité réduite. Mais c'est vraiment pour moi un enjeu majeur et qui est directement connecté à la candidature au JO aussi. Comme accélérateur. Bonjour, vous avez parlé de Paris ville mondiale et vous êtes ici dans une université aussi qui fait partie de PSL. Qu'est-ce que vous allez faire pour les stratégies d'université de rang mondial ? D'abord, je pense que en étant une ville qui se veut et qui est très attractive pour tous ceux qui sont les talents hein, de cette mondialisation. Et en faisant de Paris une ville très attractive dans laquelle on fait venir ces jeunes pousses dans nos incubateurs, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, on a aujourd'hui, on incube des start-up qui sont des start-up new-yorkaises et on a des start-up parisiennes qui incubent à New York. On va avec le maire de Londres qui vient à la fin du mois à Paris, là aussi annoncer tout ce plan concernant les liens entre nos deux villes et les doubles domiciliations qu'on va pouvoir proposer à des entreprises, à des jeunes entreprises avec des services à la clé. Je pense que en travaillant sur ce tissu économique, hein, cet écosystème parisien et en le rendant très attractif, on travaille forcément aussi bien sûr avec les universités, les grandes écoles. Marie-Christine Lemardelet qui est là et dont c'est la responsabilité travaille à la fois sur le soutien, par exemple la semaine dernière on inaugurait le nouveau campus Jourdan dans lequel la ville de Paris, même si c'est pas de notre compétence, nous avons mis en place, nous avons financé une partie de ce projet et puis nous voulons travailler aussi plus étroitement avec les différentes universités, y compris sur des projets concernant Paris, pour mettre aussi le pied à l'étrier aux étudiants. Je vous donne un exemple, pas dans votre domaine, mais dans le domaine de l'architecture et du paysage. Nous avons sur tous nos projets d'aménagement de places parisiennes, vous savez qu'on va refaire la place de la Bastille ou la place de la Nation, nous avons travaillé avec les écoles d'architecture et les écoles du paysage, en impliquant les enseignants, mais aussi les étudiants. Et donc, en mettant aussi les étudiants en capacité de travailler, d'apporter leur créativité sur des projets qui sont des projets concrets de la ville. Et toute cette imbrication, tout ce tissage de relations qui passe par nos budgets, par des financements, par l'accompagnement des projets des universités, quand les universités viennent nous voir avec des projets pour justement accroître aussi leur attractivité et leur classement, nous les accompagnons. Mais je crois que ça fonctionne en écosystème.
système. Voilà. Et travailler les universités en même temps que l'on travaille l'attractivité économique, en même temps que l'on travaille nos relations internationales avec les autres grandes villes monde et les échanges qu'il peut y avoir entre étudiants ou jeunes créateurs d'entreprises. Et d'ailleurs, pas uniquement au nord, c'est aussi avec le sud. On travaille beaucoup avec les villes africaines, avec une ville comme Abidjan ou Dakar, qui sont pour l'Afrique aussi des pôles très très importants de création d'entreprises et qui veulent absolument, parce que c'est aussi leur avenir, se spécialiser dans le numérique et dans la création d'entreprises numériques. Donc voilà, nous on accompagne les projets et en même temps on fait rayonner à l'échelle internationale. Ce matin nous étions avec Cédric Villeni pour notamment un projet d'accueil d'un congrès mondial de mathématiques à Paris en 2018. Toute la promotion que l'on peut faire ensemble, il était accompagné bien sûr des universités qui sont là pour dire combien la culture scientifique et mathématique est présente à Paris, et la ville de Paris apporte son soutien à ce type de projet. Donc c'est multiforme, mais nous avons tout à gagner effectivement à ce que nos universités soient des universités attractives, bien classées. La question des classements internationaux, c'est une vraie question. Voilà. C'est sûr qu'il faut qu'on progresse tous dans ce domaine, et en même temps on se bat aussi pour que Paris soit une ville, même si Montréal nous a devancé cette année, mais pour que ce soit une ville plébiscitée par les étudiants à l'échelle internationale. Nous sommes deuxième, on était premier, on est passé deuxième derrière Montréal, mais tout ce travail que nous faisons pour être aussi attractif pour les étudiants fait partie, je crois, de ce qui peut renforcer cet écosystème avec ces universités, ces grandes écoles à Paris. Bonjour, Madame la maire, je suis ici. Vous avez demandé à François Fillon de suspendre, d'annuler sa grande manifestation. Il ne m'a pas écouté. Hein. Voilà, vous lui avez en tout cas demandé, alors que ça s'est plutôt très bien passé. C'était quand même un événement démocratique, entre parenthèses. Pourquoi n'avez-vous pas été plus ferme, notamment contre les manifestations qu'on peut qualifier d'anti-flics dans l'affaire Théo? J'habite pas loin de République et j'ai vu de loin ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça très violent, très dégradant. Et est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures entre demander d'annuler un rassemblement patriotique et d'un autre côté d'accepter qu'il y ait des manifestations, il y a des pavés qui volaient contre la police, où il y a des fumées de gaz lacrymogène dans les rues adjacentes à la place de la République? Donc je voulais savoir s'il n'y avait pas deux poids, deux mesures, où vous vous positionnez un petit peu par rapport à cela. Merci. D'abord, sur la manifestation provoquée par François Fillon sur la base d'une manifestation anti-juge, anti-média, même si après il est un peu revenu sur cette annonce-là parce qu'elle était extrêmement choquante. Je ne suis pas sûre que ce soit un événement patriotique. Hein. Il ne suffit pas d'avoir un drapeau français pour être un bon patriote. Dans les valeurs de la République, il y a la fraternité, il y a... peut respecter toutes les organisations, mais enfin, Sens Commun comme principal organisateur de cette manifestation, je suis pas sûre que ce soit là que l'on trouve les principaux patriotes. Mais bon, à la limite, la liberté de manifester existe. Mais ma liberté d'expression aussi. Et m'adresser à un responsable politique en lui disant que le fait d'organiser une manifestation dont l'objet est quand même d'abord de montrer sa force et notamment contre les juges qui l'empêcheraient d'être candidat, ça n'est pas pour moi être dans ce que l'on peut attendre d'un chef d'État, d'une grande personnalité politique, ni sur le plan moral, ni sur le plan d'ailleurs politique.
Ensuite, d'abord, autoriser les manifestations ou pas, ça ne relève pas de la compétence du maire de Paris, c'est une compétence de l'État et du préfet de police qui l'exerce. Et lorsqu'il y a des manifestations qui sont des manifestations qui sont susceptibles de dégénérer ou qui dégénèrent, je m'exprime, je le dis, j'ai eu à le dire quand il y a eu parfois des manifestations sur la place de la République qui se sont mal passées. J'ai eu à m'exprimer lorsque une manifestation avait dégénéré en marche contre un commissariat, celui du 11e arrondissement, avec des jets de pierres, etc. Donc je ne suis pas pour le deux poids deux mesures, mais je pense que quand on est un responsable politique qui veut briguer la plus haute fonction de notre République, il faut accepter aussi de respecter la justice et de respecter le quatrième pouvoir, à savoir les médias, même si souvent on s'en prend plein la figure, tous autant qu'on est, mais je pense qu'il faut le respecter. Bonsoir. Vous vous êtes qualifié de social-démocrate. Or, en Europe, en ce moment, la social-démocratie elle rencontre beaucoup de difficultés. En Allemagne, on a une nouvelle dynamique avec Martin Schulz maintenant. Or, aux Pays-Bas, le parti social-démocrate plonge à 8%. Dans d'autres pays, c'est pareil. Quel est, selon vous, le principal problème de la social-démocratie en Europe et comment y remédier ? Vous avez raison de dire que la social-démocratie est en crise, hein, et peut-être avec une petite fenêtre plus positive, effectivement, sur ce qui est en train de se passer en Allemagne avec le SPD et Martin Schulz. Mais je pense que un des problèmes, en tous les cas, que je vois, tel que j'ai pu voir les choses ici en France ou en Espagne, je suis de très près aussi la vie politique espagnole, c'est que la crise a vraiment bousculé beaucoup les convictions, les cadres de pensée de toutes nos familles politiques et notamment à gauche. Et que certains, parfois, se sont dit qu'en allant chercher dans la boîte à outils libérale au sens économique du terme, on trouverait sûrement des solutions parce que on a un peu mythifié les solutions blairistes et de Schröder d'il y a 20 ans. Je pense que les solutions de Blair et de Schröder il y a 20 ans, elles ont sans doute eu un effet positif, mais elles ont eu aussi des effets négatifs. La question des inégalités ne peut pas être laissée de côté par la famille social-démocrate. Et quand dans les solutions qu'on prône, elles sont génératrices d'inégalités, ou que l'on ne se pose pas la question de comment réduire ces inégalités, on n'est plus dans ce que l'on peut attendre d'une famille politique telle que je décris la social-démocratie. Aujourd'hui, je pense que la social-démocratie, d'abord, elle doit ajouter l'écologie à sa philosophie, hein, à ses sujets primordiaux, et que elle doit aussi, je pense que les solutions que peut porter la social-démocratie, si elle reprend la thématique des inégalités, de la lutte contre les inégalités comme un sujet qu'elle met à égalité avec celui de la création de richesses et de la liberté donnée aux acteurs que nous sommes d'agir dans cette société, nous devons aussi considérer que dans ce monde là qui est en train de se dessiner, il faut des solutions décentralisées. Voyez bien comment l'économie numérique s'organise, comment elle génère des organisations beaucoup plus horizontales dans la société. Il y a beaucoup plus de coopération, il y a beaucoup plus d'échanges horizontaux que d'échanges verticaux. Nous sommes un pays très jacobin, trop jacobin. Nous sommes un pays dans lequel il y a à Bercy le mythe, le rêve, l'illusion que de là-haut, on pourrait gérer tout le pays et qu'il suffirait d'avoir quelques bons technocrates bien formés, et ils sont extrêmement compétents, pour que le pays aille mieux, si tant est qu'il n'y avait plus aucune résistance à opposer à leurs décisions qui sont forcément les bonnes. Sauf que moi, j'ai pas confiance en ça.
Je pense que les décisions, les bonnes décisions que l'on prend, ce sont celles que l'on a discutées, débattues, celles sur lesquelles on est allé chercher les citoyens pour leur demander leur avis. Et je pense que dans cette nouvelle social-démocratie écologiste que l'on doit inventer, dans ces nouvelles forces politiques qui doivent apporter ces réponses, il faut que l'on interroge aussi nos systèmes institutionnels, qu'on soit beaucoup plus sur de l'horizontalité que sur de la verticalité. Je ne crois pas à la verticalité. Il y a des pays qui se sont construits sur des verticalités et qui restent aujourd'hui encore très attachés à cela. Quand vous allez en Russie, quand vous allez dans un certain nombre de pays, vous voyez bien le poids de ces verticalités. Un pays comme la France, qui est très jacobin, aujourd'hui, ce jacobinisme, il est un frein. Il est un frein à des solutions qui sont des solutions qui peuvent être et qui sont trouvées sur les territoires. Moi, j'ai souvent proposé au président de la République et à son premier ministre, notamment à Manuel Valls, de créer une alliance entre les territoires et le pouvoir central, d'aller chercher les solutions. Les maires, tous les jours, on invente des solutions, qu'on ait une grande ville ou une plus petite ville, et qu'on soit dans quelque chose qui respecte la décentralisation. Donc je pense que dans la réinvention de la social-démocratie que nous devons faire, on doit ajouter l'écologie et on doit ajouter cette façon plus horizontale de faire fonctionner notre pays en allant chercher aussi les idées dans les initiatives citoyennes, dans les initiatives locales, et arrêter de penser que certains, parce qu'ils auraient effectivement fait les études qui vous prédestinent à cela, seraient les mieux qualifiés pour décider au nom de tous les autres. On a un vrai sujet dans lequel le politique doit reprendre du pouvoir, doit reprendre son pouvoir. Et j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires et les administrations. S'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Et je veux vraiment leur rendre hommage. Mais la décision politique doit redevenir une décision qui doit être débattue, discutée, et avec des points de vue qui parfois peuvent s'opposer, mais c'est dans la discussion et dans le débat qu'on trouve les solutions, et non pas dans la détermination par quelques-uns de solutions qui ne présenterait aucune autre alternative. Je crois que ce qui a tué beaucoup, beaucoup de nos collègues, de nos camarades dans les social-démocraties autour de nous, c'est le fait qu'il n'y aurait pas d'autre alternative à des décisions qui s'imposeraient à nous, par qui, d'où elles viennent, qui sont des solutions qui génèrent beaucoup trop d'inégalités pour qu'elles soient acceptées. Je pense que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit trouve aussi son origine dans le fait qu'il y a eu des renoncements et que la question des inégalités n'a pas été une question suffisamment portée, y compris à l'époque où les sociaux-démocrates gouvernaient ce pays. Et on arrive au bout du compte avec des citoyens qui ne croient plus dans leurs institutions, qui ne croient plus dans le rôle du politique, qui ne croient plus dans une aventure collective, librement consentie, telle qu'on peut la proposer dans la vie politique, qui vont se réfugier dans la protestation, la contestation, voire le pire, un vote populiste ou d'extrême droite. Et je pense qu'on a tous une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut revoir et nos institutions et nos formations politiques doivent aussi se construire sur de nouvelles bases, moins verticales. Il faut aussi, je finis là-dessus, dans nos partis politiques, le choix, la façon dont on sélectionne le personnel politique doit être revu. Je pense qu'il faut des procédures. Moi, je ne crois pas au truc où tout le monde clique sur un bouton, envoie sa candidature et puis il y en a trois qui choisissent dans un coin. Je ne crois pas. Je pense que ça peut générer des belles surprises, mais aussi de beaux désastres. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec le mouvement 5 étoiles en Italie. Donc je pense qu'il faut des process et que les partis politiques ont vraiment une fonction salutaire dans notre démocratie, qui est aussi de former, qui est aussi d'accompagner et de promouvoir des trajectoires de citoyens représentatifs par leur histoire et leur parcours de nos concitoyens.
Et donc, il faut revoir nos process pour qu'il y ait beaucoup plus de diversité sociale, géographique, de diversité, bien sûr, d'origine, pour que nos partis politiques ne soient pas simplement des machines dans lesquelles ce sont ceux qui tiennent les murs de l'appareil, qui sont sûrs à l'arrivée d'avoir un mandat. Mais en même temps, nous devons toujours miser sur des partis politiques renouvelés pour pouvoir apporter des solutions et ne pas nous éloigner des convictions, des attentes qui sont celles de nos concitoyens. Les Français ont très envie, c'est des gens qui aiment la politique, qui aiment le débat, qui ont envie de se mêler de tout, et ils ont raison. Les Parisiens, c'est le cas. Moi, je dis tout le temps, ils ont envie de se mêler de tout, et tant mieux. Heureusement, c'est ça qui fait la vitalité d'une démocratie. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus en correspondance avec cette idée aussi humaniste qui est celle que doit porter la social-démocratie. Voilà, merci à tous. Merci, Madame Hidalgo, d'avoir assisté. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de vos études. Bravo pour le travail que vous faites. Merci.